Salut à toi, c'est lundi, le lundi c'est permis, le lundi c'est ravioli, le lundi c'est... Vous faites ce que vous voulez aussi, hein, de toute façon. Moi je suis dans mon lit là, et aujourd'hui je vais vous streamer donc une nouveauté, puisque le lundi dans The Big Gameski, c'est la nouveauté, c'est la tradition. Aujourd'hui pas un grand jeu énorme, gigantesque et tout ça, on a été servi la semaine dernière avec plein de trucs extraordinaires, je vous laisse regarder dans les streams. Donc aujourd'hui on va se faire un petit jeu qui a été développé par un indé dans son coin qui s'appelle Solaroids. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce Solaroids? Ah, il y a un indice à la fin du mot, le IDS. Oui, rappelez-vous. Et rappelez-vous encore plus les gens qui n'étaient pas nés avant 1980, puisque il y a un jeu qui a marqué toute une génération qui s'appelle Asteroids. Alors je vous laisserai regarder pareil dans les streams, la review. C'est un jeu de 78, ça fait partie des tout premiers shooters qui ont débarqué en arcade. Le principe était bête comme chou, puisque vous aviez un petit vaisseau au milieu de l'écran et qu'il fallait se balader et esquiver tous les astéroïdes qui vous arrivaient sur la gueule, les soucoupes volantes ennemies, etc., etc. C'était tout en vectoriel, avec un rendu très particulier, propre à cette technique. Et mine de rien, vu que ça faisait partie des premières choses et qu'on n'avait jamais vu ce genre de choses avant là, ça a marqué. Et donc un petit gars s'est dit, bah regardez-moi ça, près de 40 ans plus tard, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un remake de Asteroids. Mais il est malin, il l'a renommé, et il l'a renommé Solaroids, pardon. Je m'emporte du coup. Alors on va regarder un petit peu la gueule de ce petit jeu qui est disponible pour 10 balles sur Steam entre autres, et ça doit être sur d'autres sites de démat, je pense. Et voir si c'est sympa d'avoir fait un hommage en 2018 à Asteroids, si c'est jouable et puis si c'est intéressant. Je vais lancer le bousin, j'ai pas préparé la capture puisque le jeu est très blagueur. Alors, en général, je me sers de deux écrans pour justement préparer les streams. Et il se trouve qu'il me bloque le deuxième écran où il y a l'outil pour enregistrer ces fameux streams et donc paramétrer la capture. Donc là, je me suis un petit peu trafiqué mon setup. Pour pouvoir réaccéder à la capture et pouvoir la paramétrer à la volée, sachant que le deuxième écran m'est désormais interdit maintenant que j'ai lancé le jeu. Solaroids, normalement, je n'ai pas de fail au démarrage. C'est un ordre. Est-ce que je suis assez impressionnant pour que ce soit respecté? Respecte mon autorité. Alors, je vais faire une petite vérif quand même, parce que je voudrais pas vous faire tout le stream sans qu'il y ait l'image et que je sois le seul à la voir et à la fin je m'en rends compte et ça c'est un vrai gros fail. Donc voilà l'animal. Alors le jeu va se proposer, je pense, de proposer un peu de multi pour renouveler le genre, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'aborder ça puisque j'utilise la démo, cette démo que vous pouvez d'ailleurs essayer vous-même en vous connectant sur Steam. Et en regardant sur la page du jeu, vous verrez, en fouillant un petit peu, vous tomberez sur la démo de Solaroids. Du coup, j'ai pas vérifié les niveaux audio. Je vais faire un petit vérif des niveaux audio quand même. C'était un peu fort, mon ami. Mais maintenant, on devrait être parfait, je pense. Alors du coup, pour cette version, le gameplay n'a pas du tout changé. Faut juste que je retrouve mon pote dans ce bordel. Hop là. Le gameplay n'a pas changé. Vous allez repartir avec le principe d'un petit vaisseau, à part qu'ici, on n'est plus en vectoriel, on a du beau bitmap d'amour, fabriqué avec les mains. Et vous allez pouvoir semer chaos, panique, terreur et désolation dans le cosmos tout entier. J'ai pas fait la réverb sur Cosmos aujourd'hui, mais j'y reviendrai. On a donc un mode campagne avec un tas de sous-options dont on se fout éperdument. Nous, ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est la jouabilité du truc. Alors, à prendre en considération, ce remake de Asteroids, c'est un peu comme un twin stick shooter maintenant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tirer. Vous avez la gâchette pour les tirs, et puis la gâchette de gauche qui va vous servir à déclencher un super tir en cas de panique ultime. Propre au jeu et la légende d'Astéroïde, c'est que vous avez une bonne petite inertie dans le vaisseau. Alors n'oubliez pas que vous êtes en mode twin stick shooter un peu. Ça veut dire que vous pouvez très bien reculer et tirer. D'accord? Ça, c'est la grosse différence avec le Astéroïde original.
Ça y est, j'ai pas fini les explications, je me fais agresser. C'est incroyable ça. Alors, le jeu est tout smooth, le jeu est tout sympa. J'ai mon radar apparemment qui est autour de mon vaisseau qui me permet d'identifier les différents objectifs qui me permettront d'avancer un peu dans le jeu. Et cette musique pseudo-techno-électrogote ne fait que teaser votre excitation. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? On va aller voir ce qui se trame. Alors, des bonus, en veux-tu, en voilà, il va y en avoir plein à collectionner, histoire d'avoir une plus grosse que son voisin, que ce soit dans les scores, dans l'équipement, etc. que de l'habituel. Je sais pas trop ce que je veux prendre du coup, moi. C'est ça d'hésiter de tourner autour du pot. Prends garde à mon Kouroux. Oui, mon Kouroux qui revient fréquemment dans les streams. Il ne faut pas, non, il ne faut pas. Prends des armes. Tu es une machine de guerre. Tu es là pour détruire et te faire détruire éventuellement. Là, quand on repart avec le piu-piu-piu, ça fait un peu mal. Quoi, Tessia? Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Tu veux sûrement me dire un truc super important. Mais vu que je suis un peu nigo, peut-être que je trouve un vrai tir d'homme là, parce que cette agression à 3 contre 1 va très très mal finir. Papa. Alors faut s'habituer un petit peu au phénomène twin stick shooter au démarrage, parce que ça fait un peu étrange. Mais ça se prend très vite en main. Alors le truc qui est un peu gênant, c'est que du coup on n'a pas envie vraiment de tracer dans les déplacements, puisque chaque fois que vous faites un petit peu le Fangio, vous risquez tout seul de vous cracher contre un astéroïde, un projectile ou je ne sais quoi. Hop. Alors il y avait un ennemi, il s'est barré, je ne sais plus où aller. Je suis tristesse, je suis... Qu'est-ce qui se passe? Qui, con, quoi? Des méchants? J'arrive. Alors, il me semble qu'au bout d'un moment, on finit par avoir des ennemis un petit peu plus retors et déchaînés que d'autres. Parce que non seulement ils viennent par troupeau, et je rappelle que des troupeaux, c'est plusieurs troupeaux, sinon on dit un troupal. Et voilà ce qui nous largue. Un espèce de mini-boss qui quand même demande à sacrément se faire taper dedans avant de crever. Bonjour, merci, c'est gentil d'être mort. Alors vous me direz, oui mais monsieur K, t'es bien niveau, t'avais ta super bombe. J'ai ma super bombe, j'ai ma fierté les gars. Vous allez pas me faire utiliser des super bombes quand il n'y en a pas besoin. C'est hors de question. Et oui, j'ai une réputation maintenant. J'en avais pas avant, mais bon, c'est un détail. Alors, le truc que je trouve un peu regrettable dans ce jeu, bizarre ta forme, toi. C'est qu'on s'y ennuie un peu quand même, parce que On Asteroids, c'est un gameplay qui est arcade pur et dur, qui sous-entend arcade, sous-entend des parties rapides, courtes, nombreuses. Et du coup, là, la philosophie a l'air d'être différente, puisque va falloir progresser, va falloir level up. Je pense qu'il y a tout un tas de choses que j'ai pas encore expérimenté qu'il va falloir essayer. Du calme. Je vais leur mettre une tatouille, j'arrive. Le temps de me préparer, je me refais un petit brushing et je suis à eux. Je l'ai bien pris celui-là, le missile autoguidé, dis donc. Donne-moi un armement d'homme, s'il te plaît. Non. Oui, le fameux non de The Big Game Oski, réputé dans le monde entier. Quand il ne veut pas prendre sa prune, il ne veut pas. Donne-moi un vrai tir. Andouille. Oh, je vais me le faire un petit tir, j'ai même pas peur. Regardez-moi ça. Tout à reculons, comme dans les jeux de zombies. Non, de zombies, bordel. Non.
Je t'aurai à l'usure de toute manière quand j'aurai pété ta dernière tourelle. Tu vas voir, tu feras pour moi le malin, tu ne pourras plus tirer de missile. Tu vas être désolation, comme le capitaine du même nom. Hii. Oh, fais-moi le malin, là. Bon, fais-moi le malin. Et le gros, il fait pas le rigolo. Donne-moi un vrai tir. Alors du coup, je n'ai pas ma fenêtre avec le retour du stream pour savoir combien de minutes on a fait sur le jeu. Ceci dit, c'est un petit jeu, donc c'est une petite présentation. On va pas y passer une éternité là-dessus. Hein. Donc vous saurez que si vous êtes un gros nostalgique de Asteroids, eh ben, des gens ont passé à vous et ils ont fait un remake version 2018. Il est jouable, il a petit prix, c'est un petit jeu. Moi, je perso, c'est un truc que sur le PC, je suis pas assez nostalgique de Asteroids pour me l'installer. Mais par contre, sur un téléphone mobile, je pense qu'il aurait tout intérêt de faire une version. Ça m'a l'air bien sympa. Enfin, c'est une opinion parmi tant d'autres. Maintenant, c'est une question de goût. Ça se trouve, il va plaire à un max de gens. Hop. Je vais sortir du jeu puisque sinon je risque d'avoir une très très mauvaise surprise avec l'enregistrement du stream. Voilà pour ce petit Solaroids, je le rappelle, vous pouvez trouver la démo sur Steam. Vous pouvez trouver le jeu en entier qui coûte 10 balles. Si c'est votre éclate, allez-y, foncez. Moi je vais faire comme d'habitude, je vais afficher la playlist généraliste, la playlist des shmups. Je vais même mettre un petit, une petite playlist bonus. Un petit stream bonus, et surtout, abonnez-vous. Ce serait chouette qu'on arrive à 100 abonnés. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve demain 19h, même endroit. Ciao.